débat tout se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tout bas, mi haut, ton corps forme là tous les débats. Anas, caro, tantôt forme là tous les débats. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi tout bas, mi haut, ton corps forme là tous tes déballeurs. Atas, les trolls, tantôt forme là tous tes déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tous, passent autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tout bas, mi haut, ton corps forme là tous tes débatteurs. Anas, caro, pétrole forme là tous tes débatteurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Waouh, ma copine! Tu es bien habillée! Merci! Merci beaucoup! Tu es encore plus belle! Merci. Maman, dis-moi, tu vas où comme ça? Pas me promener. Ok, tu vas te promener sans moi, ma copine. Laisse-moi comme ça, j'ai un rendez-vous là. Un rendez-vous? Oui. Mais avec qui? Avec l'autre, mon mari là, que tu connais là. Non? Il n'est pas ton mari. Je te dis que tu as un seul mari. On appelle l'autre le petit ami. Le petit ami. Ouais. Yeah. Est-ce qu'il est petit? Il est grand. Tu fais comme si tu ne le connaissais pas. Oui, mon amour. Tu m'as dit que tu voulais qu'on cause. Mm-hmm. Tu es à quel sujet? Au sujet de ma mère. Ta mère? Elle a quoi? Elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Mais tu sais que ça fait 3 mois qu'elle ne fait plus rien. Elle ne fait plus rien comment? N'est-ce pas, elle a une petite boutique au marché? Non, mais chérie, tu sais que... ça marche pas vraiment depuis. Ça ne marche pas comment, non? Elle n'a pas de bonnes marchandises ou c'est quoi? Non, en fait, le problème c'est qu'elle n'a plus de bonnes marchandises du tout. Et puis bon, elle a chuté. C'est juste une façon de parler. Il faut t'habituer à cela. Petite amie, je vais essayer. Même comme vos mots-là ne collent pas trop avec moi. Et qui est ma copine? Ton petit ami là est déjà devenu trop gourmand. Elle. N'est-ce pas, ça fait pas 2 jours qu'on était ensemble, non? Oui, c'est parce qu'il a dit qu'il m'aime beaucoup. N'est-ce pas? Oui. Ok. Il ne faudrait pas qu'elle soit en retard. Non, vas-y, ma boue. Je veux pas qu'il soit. Ok. On se voit, non? Oui. Bon, bien la route, à tout à l'heure. Oui. Mais tu es vraiment bien habillée, ma boue. Merci. Et tu voulais qu'elle fasse quoi? Je pensais que tu pourrais me donner un peu d'argent. Comme ça, je lui donne ça pour qu'elle me lance ses activités. Marty, c'est quand même ma belle-mère. Hein, moi. Surtout qu'elle m'a donné la femme la plus précieuse de la terre. Mmh. Bon, tu trouves qu'on peut lui donner même combien? Je sais pas, chérie. Mais je pensais que même avec 200 000, elle pouvait me lancer ses activités. 200 000. Bon, en fait, ça ne dérange pas. Hein? Dès demain, je vais te trouver un peu d'argent pour elle. Ok. Un amour. Toi, tu es une boule d'amour qui ne se fond jamais. Moi, j'aime te voir en jogging comme ça. Parce que depuis, tu ne fais pas du sport. Voilà. Ce matin. Attends, on essaie. Vas-y.
On ne peut pas faire grand chose ici. Laissons après ça dimanche. Pas mal. Mais qui sont ceux qui habitent là-dedans? Non, ce sont nos locataires. Il n'y a pas de problème. Dès que vous l'achetez, vous la gérez comme vous voulez. D'accord. Bon, boss, on était déjà à la première maison que vous avez vue. Celle-ci ensuite. Qu'est-ce que vous en dites? Les deux maisons ne sont pas mauvaises. Elles sont également bien situées. Mais si je les achète, comme on a conclu, quoi que c'est bien. Tu vas me dire là. J'ai l'impression que c'est la maison C que tu veux. Bon, comme il en est ainsi, je ne discute plus avec toi. Je vais te laisser cette maison et j'irai vivre ailleurs. Je verrai comment tu vas faire. Ça ne fait rien. Partout où tu iras, j'irai. Tu vas voir ton pied, mon pied. Si c'est pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. On va vous vendre les deux à 10 millions, comme je vous l'ai dit. À condition que vous me donnez une maison entre les deux. Parce que les deux maisons-là ont une valeur respectivement de 15 et 18 millions. Donc vous voyez que c'est vraiment une bonne affaire que je suis en train de faire pour vous, boss. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, boss, vous me donnez alors laquelle entre les deux? Ben, le vendeur est où? Pour le moment, il a un petit empêchement. Il a voyagé. Dans 2 jours, il sera là. Mais même si je ne suis pas là, cette dame va vous mettre en contact avec lui. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Donc vous connaissez le propriétaire? Oui, je le connais très bien. Ok, bon ben, je vous attends. Ok, boss. Chérie, je suis fière d'être enfant, papa. Pourquoi enfant, ma femme? Tu sais que ça n'a pas été facile, non? Chérie, pour moi, je n'ai jamais pensé au pire. Hein. Moi, je savais que tu, coûte que vale, tu vas être ma femme. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir pour femme une albinos? Mon amour, moi, je ne te vois pas comme une albinos. Hein. Tout au contraire, je te vois comme une femme que j'aime, que j'idolâtre. Tu ne peux pas imaginer à quel point je te tiens à cœur, ma chérie. Hein? On va y encore vraiment. Tu es mon poumon gauche. Chérie, tu penses qu'on va avoir combien d'enfants dans la vie? Ah, si oui, 3, c'est bon. Hein? Seulement 3. Mais comment ça? Même 6. Toi aussi, dis donc. C'est là, on veut créer un parti politique. 6, c'est beaucoup. Le temps, ce n'est pas le temps d'avant, hein, que les parents pondaient à tort et à travers. D'autres sont bandits, d'autres braqueurs, d'autres pousseurs. Aujourd'hui, si ce n'est plus bon, ça. Non, non, si non. C'est bon. Non, chérie. 3 enfants. On va avoir 3 enfants. Ce nombre d'enfants qu'on pourra les nourrir, subvenir à leurs besoins. Et là, en attendant, bon, Dieu peut-être pourvoira à ce qu'on ait 4, 5, 6, comme tu as dit. Ok? Ok, chérie. D'accord. Donc, déjà, il faut que d'ici quelques temps,
Hein? On n'a pas me changer pas cher. Quelque chose déjà. Entre là. Bonsoir, mon trésor. J'étais tout préoccupé là, il y a un problème. Non. Seulement ma mère qui me dérange. Elle te dérange pourquoi? Depuis un certain temps, son commerce, ça ne va pas. Elle veut que tu fasses quoi? Ah, vraiment, je vois que c'est le menu dans cette maison aujourd'hui. Le commerce ne passe pas. Hein? Elle veut que tu fasses quoi? Que tu viennes vendre avec elle. Comment ça vendre avec elle? Non. Elle veut que j'augmente son capital. Et c'est en augmentant le capital que le commerce va marcher? Bien sûr. Puisqu'il lui faut des marchandises. Elle perd beaucoup de clients parce qu'elle n'a pas de marchandises dans son magasin. C'est pour ça que je voudrais que tu me trouves 200 000. Oh mon bébé, je suis fier quand tu es avec moi comme ça. Merci, moi aussi. Et en plus aujourd'hui, ta beauté est spéciale. Tu es encore très belle aujourd'hui. Merci mon père. Ça fait l'argent que tu me donnes, que je m'arrange comme ça. Waouh, là ça me plaît quand tu dis ça. Hein? Je peux te donner régulièrement. Tu vas te rendre plus belle pour me faire plaisir. Merci mon père. Ah, toi aussi. Tu n'as pas à me remercier tout le temps. Il est de mon devoir de te donner. Hein? Tu dois te rendre belle pour me faire plaisir. C'est juste que tu es mariée. Hein? Parce que si tu n'étais pas mariée, ah Mofmide. Je veux t'amener dans les grands milieux ici à Douala. Fais découvrir les endroits que tu n'as jamais eu l'occasion de voir. Mon mari n'est même pas là. Il est où? Il a voyagé. Quand? Ça fait seulement 2 jours. En tout cas, on verra ça plus tard. Comment ça plus tard? Parce que je n'ai pas d'argent maintenant. Hein? Je n'ai pas de l'argent maintenant. Tu veux que je vole? Voilà. Quand c'est ma mère, tu n'as pas d'argent. Si c'est la mère de Mado, tu vas agir très rapidement, non? Ok. Mitumba, le favoritisme que tu fais dans cette maison, ça ne va pas continuer comme ça, je te dis. Bon. Qui fait le favoritisme? Tu as vu le favoritisme où? Comment? Tu as dit à Mado que tu vas lui donner 200 000 pour sa mère, non? Et à moi, tu me dis d'attendre. Mitoba, je n'attends pas. Donc, tu nous épiais? Ah! Jésus-Christ. En tout cas, elle a posé le problème la première. Et comme je n'ai pas suffisamment d'argent, je vais résoudre ce problème l'un après l'autre. Jamais, Mitumba. Jamais. Si tu donnes l'argent à l'une, tu dois donner l'argent à l'autre au même moment. Ou bien tu ne donnes l'argent à personne. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est quoi? Merde. Wonderful. Oh, Chokoro. Chokoro, tu as gagné le jackpot. Merci, Seigneur. Merci d'avoir exaucé ma prière, Seigneur. Ah. Oh, tu sais quoi? L'amour va nous appartenir maintenant à deux. C'est-à-dire, on va croquer l'amour, on va croquer la vie, bébé. Hey, mon père, yeah. Croquer la vie, que la vie devienne la viande. Ah, non, Lily, ce n'est pas ce que j'ai dit, bébé. J'ai dit, on va s'éclater tous les deux. On va même s'envoler avant de revenir. L'amour nous appartient à Dieu seulement maintenant, bébé. Mais quand tu dis mon gros bébé, là, est-ce que c'est encore un bébé? C'est mon gros bébé. Merci. Tu sais quoi, bébé? Non, mon père. Donne encore un peu de temps là, tu me donnes encore un peu. Yeah. Maintenant qu'on vient de sortir la valida, tu vas faire comme ça, je vais te donner, ça va tout finir. Mon mari va rentrer, il va plus rien voir. Non bébé, ce n'est pas le savon, ça ne peut pas finir. Alors, tu me donnes encore un peu, toi tu sais que c'est très bien avec toi. Merci mon père. On parle, tu m'entends. Non, on ne m'a pas suffi comme ça mon père. Ne dis pas ça bébé, on parle, tu m'entends. Merci mon père. On parle, tu m'entends. M'a pas suffi comme ça. Non, dis pas ça. Allons, non, m'a pas suffi comme ça. On parle, tu m'entends encore.
Le reste là, c'est que pour mon mari. Non, pas. Le reste, c'est que pour mon mari. Comment tu vas, mon fils? Très bien, papa. Et vous? Non, ça va un peu. Il n'y a que le rhumatisme qui est en train de me déranger depuis là. Papa, c'est l'excès de travail. Tu vois que vous travaillez beaucoup ici. Si on ne travaille pas, on va manger quoi, mon fils? On est obligé. C'est très difficile. C'est vraiment difficile, mon père. C'est vraiment difficile. Bon, j'espère que tu es venu au sujet de ma fille. Bien sûr, mon père. Bien sûr. Est-ce que tu l'aimes même? Je l'aime. Je l'adore. Papa, je veux l'épouser. Je vous assure. Bon, tu vas aller voir sa maman à Douala. Je ne suis que son oncle. Bon, même si je suis le responsable de la famille, ma mère a un mot à dire à ce sujet. Ok, mon père. Je vous ai compris. Il n'y a pas de problème. Je vais m'en aller. Tu rencontres sa mère, elle te donne son accord. Tu peux programmer le mariage. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tous les œufs que tu as pondus, les gens ont tout volé au carrefour. Non, non, non. Il ne peut plus supporter. J'ai ma chose, je ne peux pas. Ouais. Hey, ok, ma fille Clarisse, c'est quoi? Pourquoi tu es malheureuse comme ça? Papa, ce n'est pas chez moi. Pour te lâcher, tu t'assois là, tu m'expliques. Yay! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Papa, c'est Big Mom. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je suis dépassée. Oh. Il dit qu'il ne veut plus de moi, que je parte de chez lui. Tu lui as fait quoi pour qu'il arrive à cette solution? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi. Je ne sais pas. Il dit qu'il ne m'aime pas, qu'il ne m'a même jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé comment? C'est pas lui qui est venu ici à la maison parentale t'enlever et t'amener à la mairie signer l'acte de mariage? Papa, c'est lui. Sans penser même que le mariage coutumier existe. Bon, madame, bonjour. Bonjour. Bien, je vais déjà au travail. On se voit le soir. Mitumba, tu veux au travail que tu as résolu le problème de ma mère? Ah, Laura, il t'a dit qu'on verra ça après, non? Comment ça, on verra ça après? Hein? Je veux que tu résolves ce problème et maintenant. Laura, il t'a dit que je n'ai pas d'argent maintenant. Ah. On va résoudre ce problème après. Tu veux que j'aille voler? Ok. Tu as donné l'argent de la mère de Madono? Oui, je l'ai fait. Ok. Comme tu as donné l'argent de la mère de Madono, tu vas aussi donner celui de ma mère et ce maintenant. Oh, oh. Tu sais, on ne me tente pas. On ne me tente pas. Non, donc on ne me tente pas. Ah. Mais Thomas, qui te tente? Tu dis on me tente, qui te tente? On te pose un problème, tu ne peux pas le résoudre. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il dit que je ne vais pas résoudre le problème? J'ai dit que je ne peux pas le faire maintenant. Je le ferai après. Papa, c'est lui. Quand j'ai voulu parler, il a tapé sur moi. Partout ici, c'est parce qu'il ne peut pas me déshabiller. Partout ici, j'ai les traces. Les traces partout ici, papa. Partout. Il a tapé, il m'a tiré au sol. Comme tout le casier est sorti. Il ose. Il ose même te toucher. Hein? Il ose te toucher? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui celui-là? Comment? Il est où? La maison. Allons, je vais lui monter. Je vais lui monter. On ne trimballe pas les bacoumens comme ça. Je vais lui monter. Allons. Comment? Même m'habiller, je ne m'habille pas. Allons. Comment? Il me prend pour qui? Moi? Quand il est venu prendre l'enfant, là, il ne connaît même pas que je peux boire le vin. Il va lui montrer, c'est là qu'il va savoir la personne qui a mis l'eau dans la noix de coco. Hey, comment? Après, je dis ceci. Comme tu as résolu le problème de la mère de Mado, maintenant là, tu vas résoudre le mien à l'instant. À l'instant, tu es là.
Laura, tu sais, je ne résous même plus. Je ne résous plus ce problème. Oublie-la, je ne le fais plus. Je ne résous plus ce problème, ni aujourd'hui, ni demain. Tu vas résoudre ce problème. Je ne le fais pas. J'ai dit que tu vas le résoudre. Comment? Ça, c'est qui? Non, c'est toi qui me commandes dans tu cette maison. Tu t'échauffes pour rien. J'ai dit que tu vas le résoudre. Ça, c'est les bruits. Sinon? Et papa n'est pas trop. Attends. Et va au travail, tu viens me trouver. Ne te casse même pas. Va au travail, tu viens me trouver ici. Oh, tu sais, c'est pas parce que je te tolère souvent ici dans cette maison. Mm-hmm. Comme tu es coûteux comme le mois de février là, mm-hmm. je vais encore te rapetir ici. Coûteux ou pas coûteux, Mitumba, tu vas résoudre ce problème. Attends, tu ne parles pas de rien. Hey, tu commences, je t'allume ici maintenant. Ne t'échauffe pas et va au travail, tu viens me trouver ici. Je ne veux pas ternir ma journée. Mm-hmm. Attends-moi le soir. Ma bunkilou. Ça c'est pour toi. Tu vas résoudre ce problème là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux lui tuer même une vache. Parce que l'argent est en route. Quelqu'un t'a promis de l'argent? Ah. Ma vie va changer bientôt. Mais comment ça? Je suis venu te proposer une affaire. Mmh. Une affaire qui doit mordre. Une affaire dans laquelle toi-même tu dois beaucoup profiter.
Qu'est-ce qui te ramène une fois de plus à Yaoundé? Mais grand frère, c'est toujours pour le problème de visa là. Et tu as réussi à l'obtenir finalement? En fait, j'ai déposé les dossiers. Hein. C'est en train de suivre son cours. J'attends le résultat, c'est tout. Mais si cette fois-ci ça ne marche pas, hein? Tu n'avais pas seulement. Tu sais, vraiment, je suis décidé. Hein. Il faut absolument aller faire un peu. Stella, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Personne là, il va prendre ça. Il faut insister qu'il faut 9 millions de francs. Il y a de l'argent. Hein? Tu dois même dire que le malade là est même déjà mort. Que tu veux seulement le ressusciter. Ils vont chercher de l'argent, tu verras. D'accord. Si tu es sûr qu'il y a de l'argent, je le ferai. Mais c'est un marché. Tu comprends? Mais bien sûr. Si la personne donne les 9 millions de francs, on se partage moitié-moitié. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais me augmenter une petite partie sur ta part. Okay. Peut-être c'est toi-même qui vas changer ma vie. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout. Passe autour de nous, côté cour et côté jardin. Mitouba, Mimo, Tonga, forme la troupe des bananes. Anas, Caro, Tanton, forme la troupe des bananes. Sans blesser votre sensibilité. Vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, Mimo, Tonga, forme la toute des malheurs. Anas, pétrole, Tanton, forme la
passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi touba, mi mob, ton gras forme la toute des valeurs. Anas, carreau, étoile forme la toute des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont entrer dans votre intimité. En débalance qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées.